Yo tout le monde, c'est Raphaz Gamer, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur le premier épisode d'une longue playlist qui est sur le jeu Resident Evil 2. Alors il est sorti il y a quand même longtemps et pour ma part, c'est quand même l'un de mes Resident Evil préférés. Alors je vous invite à mettre votre casque pour une immersion totale dans le jeu. Et aussi, si vous regardez l'épisode genre la nuit, bah éteins les lumières comme ça. Allez, on va commencer, je vous laisse à la cinématique. Le bioterrorisme. Le monde vit avec. Vous vivez avec. Des virus sont dérobés, réencodés, utilisés abusivement avec des résultats tragiques. Et à qui êtes-vous censé faire confiance? Aux politiciens qui vendent leur âme pour quelques votes? Aux grands patrons qui trahissent les consommateurs pour du fric facile? Comptez plutôt sur nous. Nous sommes au-dessus des politiques, toujours à surveiller. Toujours prêt à faire face à la menace imminente. Nous sommes le rouleau compresseur qui écrase le spectre du bioterrorisme et de la guerre chimique. Ils nous appellent Terracelle. Parce que Terre ne rime pas toujours. Salut les gars. Bradfield. Ah, salut Claire. Hé, Claire. Moira. Bienvenue au club. À vos ordres, mademoiselle Redfield. Je dois saluer comment? Laisse tomber, on est amis depuis quand? Assez longtemps pour que je te fasse marcher. Claire, tu pourrais... Je t'écoute, Neil. Il se passe des choses à Washington. Au courant? Quoi? Le nouveau virus? Arrête. Tu sais que Tricell, c'est fini. Hein? Allô? Hé, c'est la fille de Barry Burton? Oui, Moira a commencé aujourd'hui. Mais sois prudent si tu dois mentionner... Père ? Ah oui, champ de mine émotionnel. Je vois. T'as fait tes devoirs. T'as beaucoup d'autres atteintes à la vie privée là-dedans. Hé, hey, je dois prendre soin de TerraSave. On a des ennemis. En tout cas, bonne chance pour l'adresser. C'est pas un cheval. Salut. Oh oh, il a fait quoi cette fois? Enfoiré de Barry! Chaque fois que je lui demande quelque chose, il me rembarre! Je serais même pas là si j'avais écouté... Avec nous. Non, il doit y avoir une erreur. Place.
Donc on a les commandes. Je n'ai rien fait du tout. On est dans une espèce de prison. C'est quoi ça? Un établi. Ah, on peut améliorer. On peut améliorer ses armes. Ok. Bon, on va aller là-bas. Je pense qu'il faut chercher Moira, je pense. C'est Moira. On va aller là-bas. Oh mon Dieu. Ça va aller. Moira, tu es blessée. Ils t'ont fait mal. Claire, je me souviens que... D'accord, oui, du Claire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laisse-moi... Claire, je veux rentrer à la maison. Ça va aller. On va sortir de là. Ok, trouver la sortie. Je comprends rien. Pourquoi nous? Si je savais... Ah ouais, carrément. C'est n'importe quoi. Voilà. Il faut sauter. Tombe! Non, je conne. Putain, c'est salement haut! Y'a quoi là? Bah, y'a rien. On peut pas. On va passer. Allez. On peut pas ouvrir là? Non. Ouais, une femme qui crie. Tu as entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Bah y'a rien. Y'a même pas de munitions. Ah ouais. Putain, ça devient chelou. Ok. Un autre document. Règlement de surveillance des cow-boys. Celles et ceux participant aux expériences doivent respecter les règles suivantes. Les sujets doivent être surveillés 24 heures sur 24. Surveiller le capteur pour détecter tout changement et consigner son statut toutes les 10 minutes. Éliminer immédiatement tout sujet présentant des signes d'anormalité. Ok, donc ils faisaient des tests ici. Ils faisaient des tests sur des cow-boys. Ok, c'est la suite. On peut pas passer. Voilà. Je crois qu'on peut passer là-dessous. Aide-moi, Moira. Go! Voilà. Attention, recule un peu. Oh là là. Crève. Ça devient ça, résultat des tests. C'est quoi ce truc que je viens de voir? Aucune idée. C'est un zombie. On ne peut pas passer par là. Ah ouais. À chaque fois que je m'accroupis. On a de la poursuivre.
Ok. Les graphismes sont vraiment très bien quand même. Pour un jeu qui est quand même sorti il y a longtemps, c'est quand même des graphismes super bien. On va pas le poursuivre pendant toute la prison, j'espère. Il y a rien derrière. Ok. Ok, point de sauvegarde. Gina. Oh ouais. What? Attends, c'est dégueulasse. Dieu. Tu la connaissais? Oui. Elle travaille pour TerraSave. Qui a pu faire ça? Mais what? J'entends le bruit du vent. C'est sûrement la sortie. On doit trouver une entrée. Sauf que c'est fermé, bien sûr. Logique. Non, non. Bon bah faut la chercher en bas. Trouver la clé. T'as entendu des bruits là? D'accord. Arrête de respirer. Pas ouvert. Ah ouais. Mec, tu t'es clé à ouvrir. J'ai qu'une seule balle. On peut aller bien loin qu'une seule balle. Allez, des munitions. Ah. Oh, un saphir. Je sais pas à quoi ça sert. Il n'y a vraiment rien, il n'y a même pas de munitions. Ok, bah faut descendre. Bon, on y est. La clé doit être par là. Ils vont arriver. Où est la clé? Fermez le côté. Ah. Ah. Ok. Oh. Ah, il m'en est... Tac, je suis dans la tête. Mais je suis mal. J'ai plus de vie. Comment on fait pour utiliser les plantes? Ah! Ouais, je vais crever. Oh, il va me tuer! Ouf! Non! Mais c'est des bâtards! Mais laisse-moi! Non! Mais laisse-moi monter! Et monte!
Mais putain, mais... Ouais, j'en peux plus. Putain, j'ai qu'une seule balle en plus. Premier mort. Ok. Gina. Dieu, l'animal. Attention. Dieu. Tu la connaissais? Oui. Elle travaille pour TerraSave. Qui a pu faire ça? J'entends. Ok. Ça s'est fermé. On doit trouver une entrée. Il faut être taré. Là. La clé qui tombe. J'y suis presque. Non. Merde, c'est con. Parce que j'ai qu'une seule balle, je peux en faire qu'une seule balle. Ok. T'as vraiment rien quoi, hein. Que dalle. Même pas une balle, non, rien, que dalle. Ok. Il y a plus le saphir. Ok. Bon, on y est. La clé doit être par là. Noah, c'est chien ici. Merde, c'est quoi ce bruit? Bah c'est la merde, hein. Allez, sort. Tac. Laisse tomber. Ouais, je vais courir. Cours, Moira, cours. Ta mère. Allez, cours. Putain. Y'a pas des balles! Mais recharge ta mère! Et en que dalle! Allez! Monte, 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 monte! Monte! Oui! C'est bon! Ok! On va jamais s'arrêter! On retourne voir si la clé fonctionne! Putain. Oh, je ne te sauve pas. Ok. Mais j'ai pas de balles. J'ai zéro balle, gars. Zéro, zéro balle. Ah. Comment on fait pour recharger? Et d'où j'ai un pompe.
Ok. Bon, ils sont calmés là. Oui. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Bien sûr. Bon, du coup. Ok, il faut descendre. Oh, je suis carrément pas vu. Pas de balle. Mais aussi crève. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Oh, des munitions. Il faut une arme, Moira. Non, pas besoin. Désolée, les armes à feu, c'est pas mon truc. Pas après ce qui s'est passé. Merde, j'avais oublié. Désolée. On va te trouver autre chose. C'est quoi ce qui brûle? Ça va aller. Je vais me charger de l'éclairage. T'inquiète. Ok. Il y a un truc qui brille par là. Mais je sais pas ce que c'est. Je vais utiliser la lampe. Y a pas de truc qui brille. Ah. Cool. Un truc pour taper. Ça me va très bien. Appuyez sur R2 pour que Moira immobilise certains ennemis en les frappant par derrière avec le pied de biche. Elle peut aussi exécuter un coup à terre lorsque l'ennemi est tombé par avec R2. Ok, donc elle peut nous aider. C'est bien. Sinon il y a presque plus rien. Mais elle a dit qu'il y avait un truc qui brillait, mais je le vois pas. Non, il y a plus vraiment de truc qui brille. Il y a plus de truc qui brille. Ok. What?
Une petite fille. Claire, tu as vu ça, hein? Oui, j'ai vu quelque chose. Moi aussi, j'ai vu des munitions. Ah. Mais par contre, tu peux pas me donner. On est dehors. Ah non. Oh putain. Oh, ça va être la merde. Qui cite des conneries de poèmes? Vous avez peur? Vous pouvez me le dire. Par. De quoi vous parlez? What, il est badass lui. Lorsqu'on a peur. Qui êtes-vous exactement? Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Elle nous parle ou elle part toute seule? Ok, faut faire quoi? Charcuté ou quoi? On dirait une sortie. Ben, il manque un truc. Putain de technologie. Ok. Vous voyez, il manque quelque chose. Hein. Ah, si j'ai vu. Extrait de la colonie pénitentiaire. Kafka. Le voyageur a demandé, il ne connaît pas sa propre sentence. L'officier a répondu, lui donner cette information serait inutile. Son propre corps en fait l'expérience. Super. Donc, là, faut faire quoi? Je t'en commanderai un si tu veux. Regarde cette machine. Alimentation. Il y a un truc de bloqué. Ah, ça marche pas. Ah, attends. Il n'y a pas de courant. Où est l'interrupteur? Putain, il déroule. Ok. Je pense qu'on combine avec. Ça fait quoi? Désinfectant? Ok. Non, pas à faire. Moira, je vais te faire la courte échelle. Vois si tu peux monter. D'accord. Ok. Là, on est vraiment sans. What? Faut faire quoi? Ah! Non! Faut faire quoi, attends? Non. Voilà. J'étais vraiment presque à hein, 1 mm. D'ailleurs, je vais donner ça. Hein. Ah, faut pas donner. J'y arriverai pas seul. Ok. Claire, par ici.
Ouais. Ah bon. Une fois dehors, on trouvera peut-être quelqu'un qui nous aidera. Un coin de sauvegarde. Oh putain. Ok. C'est quand même sinistre hein, quand même. Ne nous emballons pas trop vite. Bon, avec mon pompe, ça va aller. Hein. Il faut faire de la lumière. Oh! Putain, il m'a fait peur lui. Quoi, il y en a deux? Il n'y avait rien. Là, il y a quelque chose. Lettre d'un prisonnier, écrit en russe. Chère maman, j'ignore si tu liras ceci un jour, mais j'ai besoin de toi. Il nous appelle, des expériences. Il nous torture tous les jours. Tous les jours. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi cela arrive-t-il? C'est si douloureux. Tous les jours, je vis dans la peur du lendemain. Maman, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Putain, c'est chaud quand même. Ils étaient emprisonnés là, en fait. Allez, viens. Voilà. Il n'y a pas un troisième, j'espère. On ne dirait pas. What? Ah. Voilà, trois balles dans la tête, ça fait un peu mal. On va pas tout de suite descendre. Avertissement au sujet de la manipulation des expériences. Les capteurs dont les expériences sont équipées mesureront l'adrénaline et les niveaux de norépinéphrine afin de calculer la peur ressentie par le sujet. Les couleurs varieront en conséquence. Vert normal, orange anxiété, rouge clignotant peur, rouge mutation. Si le capteur du sujet devient rouge, il est déjà en phase de mutation. De mutation, tirez-lui dessus immédiatement. Ah, mais c'est le bracelet, ça. C'est-à-dire que si c'est rouge, et ben on devient zombie, quoi. Ah ouais. Extrait de Le procès, Kafka. L'homme a exprimé son souhait de franchir les portes. Le gardien a répondu : si vous voulez vraiment passer, enfreignez les règles et allez-y. Mais sachez ceci : je ne suis qu'un modeste gardien. Ceux qui vous attendent derrière ces portes vous feront trembler de peur. Ok. Ouais, tu l'es énorme. Ouh, on va crever. Je te laisse te faire défoncer.
Wesh, il est énorme. Oh. Oh. Putain. Il a pas trop vu, j'espère. Ouah, t'es vraiment horrible. J'ai plus de mine de pompe. Encore une clé qu'il faut trouver. Pas de sauvegarde quelque part. On peut pas passer. Comment ça se fait qu'on peut pas passer? Pas passer. Peut vraiment pas passer. Pourtant c'est ça qu'il faut. Non, il faut trouver la clé. Sans la clé on peut pas. Ok. Ok, alors. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alors, faut trouver. Ouais. Oh, du premier coup. Ok. Une bombe. Putain, c'est cool. C'est du bruit. Alors, donc il faut aller où? Ah, j'ai lu ça. Ouais, j'ai pas vu. Du coup, là, on peut pas ouvrir. On peut rien ouvrir en fait. Mais là, toujours pas l'alimentation. Ok, munitions de pompe. Mais on va pas voler. Amélioration des mesures de sécurité. Conformément aux instructions du directeur, j'ai placé le buste lance-flammes en face de la sortie. Les flammes qu'il souffle sont vraiment impressionnantes. Même si plusieurs des expériences tentaient de passer en même temps, elles seraient toutes grillées sous le champ. Défense de passer. Tant pis pour ceux qui essaient de s'échapper. Ah ouais, putain. Oh, comment il a fait? Comment il a fait pour sortir?
Mais il va crever. Voilà. Au bout d'un moment, faut quand même mourir, quoi. Ça va sortir. Ah, il y a une porte. Du calme, les enfants. Non, mais on n'a rien. On a vraiment rien, quoi. Ah. Fermez l'autre côté. Du coup, en fait, il y a vraiment beaucoup trop de trucs qu'on doit faire. C'est vraiment chiant. Voilà, bon. Si, je pense qu'il faut aller là. Pourquoi l'on pas bouger? On y était là. Il y a pas quelque chose qu'on n'a pas fait. Si, là, mais. Comment on le bouge? Comment on le bouge? C'est ça le truc. Non, aucune porte. On a vraiment aucune porte. Mais putain, je suis perdu. Il n'y a aucune clé. Il n'y a vraiment aucune clé.
Pourquoi on peut pas y aller? Attends, attendez, attendez, attendez. Ouais, mais comment on fait pour passer là? Il n'y a qu'une entrée. Ah bah voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Ok. Donc c'est bon, on a une clé. Mais elle ouvre quoi cette clé? Mais là on a un truc. Ok. Bon, on va mettre notre pistolet. Hein. Voilà. Ça ou ça? Une nouvelle salle. Des insectes. What? Évidemment, ils sont énormes les insectes. Putain, on dirait des énormes araignées. Des crabes. Ah. C'est dégueulasse. Ok. Maintenant, faut faire quoi? Faut pas aller là-bas. Faut aller là. Ok. L'icône du partenaire. Si votre partenaire est tué lorsque vous êtes séparé, la partie est terminée. L'icône de votre partenaire clignote en rouge si votre partenaire est en danger. L'icône indique également si le changement de partenaire n'est pas autorisé. Vous pouvez donner des ordres à votre partenaire. Ah ouais, ok. Pas des badges comme ça, on sait jamais. Quoi? Tu plaisantes? Dégagez votre lampe de poche dans les yeux d'un ennemi avec les L2 pour aveugler et le rendre plus vulnérable. Oh, mais lui, ça lui fait en fait.
Voilà. Okay. Maintenant, on va activer le truc. Barry raconte cette histoire à tout le monde ou quoi? Bon, au moins on a le courant. Ça devrait aider. Non. Attends, le seul. Ok, je m'en vais. Ok. Vincent, là ça va. Mais bon, c'est juste des trucs là. J'ai bien trouvé une sauvegarde quand même. Ouais, j'ai failli finir comme une crêpe. Barry raconte cette histoire à tout le monde ou quoi? Bon, au moins on a le courant. Ça devrait aider. Voilà, ça passe. Il m'a surpris lui ce bâtard là. Crève. Mais crève. Oh putain. Non. Au revoir. Au revoir. Voilà. Mais je te dis au revoir. Faut au revoir. Oh. Putain, non. De vie là. Oh non. Ça, il me le prend le truc. D'un coup. Il n'y a plus qu'à mettre le courant. Voilà. Putain, il s'est fait broyer lui. Ils ont tort. Les pauvres. Mais encore là. Voilà. Voilà. Et là maintenant on va crever. Oh putain.
Et aussi. Genre vraiment, y a plus de limite en fait. Il n'y a vraiment plus de limite. Super. Ah. Bah c'est bon, on a pris le truc. Voilà. Mais c'est ta merde. Ah. Mais vas-y, charge. Allez. Il se fait laminer. Pas dans la merde. On est encore mort. Donc comme il n'y a pas de sauvegarde. Donc ciao tout le monde. C'était Air Force Gamer. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.